Oui, bonjour. En ce moment, nous sommes sur la semaine bleue et avec les personnes âgées, très heureuse d'être parmi eux. Je suis Madame Malaki Liliane, je suis conseillère municipale de la majorité. Et c'est avec plaisir que je suis avec les personnes âgées, disons les seniors, et que nous allons honorer avec succès. Et donc, je remercie M. Franck Baptiste et sa globalité avec sa municipalité et M. Suzanon du CCAS qui a bien voulu, avec son équipe, organiser cette petite fête pour les personnes âgées, la Semaine Bleue. Je suis Amélie Cassi, le responsable de l'hôtel Rotabas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir les différents clubs de troisième âge de Sainte-Anne. Et je remercie au nom de mon équipe la municipalité d'abord et les clubs d'avoir accepté l'invitation pour la Journée bleue de Sainte-Anne. Bonjour, je m'appelle Denise Aglas. Je participe à la Semaine bleue. Je fais partie de l'association Cadence et Tradition qui est basée à Douville. Je ne suis pas encore dans l'âge comme vous le désirez, mais je m'imprègne déjà. Et je suis contente d'être là aujourd'hui. Alors, mes chers collègues, pensez-y. Bonne journée. Oui, bonjour. Ici Yves Kikeret, troisième adjoint au maire, responsable pôle éducation, petite enfance, restauration et transport scolaire. Aujourd'hui, je suis là puisqu'on honore les personnes âgées. Et en tant qu'élu, en dehors de ma délégation, je tiens à venir soutenir ces personnes âgées. On a fait une manifestation pour eux et on essaie d'ailleurs, je m'occupe en ce moment de la distribution d'eau remplie les citernes et on va toujours vers les personnes âgées, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. On ne fait plus un point fixe, ce qu'on préfère c'est distribuer en premier dans les personnes qui ont besoin. Donc aujourd'hui c'est un aboutissement, c'est la fête, mais il faudra continuer toute l'année de s'occuper des personnes âgées. Merci.